Paf. 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 Putain, quel enfer. Quel enfer. En vrai, ça va être chiant de se balader dedans. Un peu la flemme de faire comme ça. Ça va être chiant de se balader comme ça. Non. Ça va être trop chiant de se balader. Enfin, faudra faire des zigzags et tout. Faisons simple. Faisons simple. Oh, cette musique est folle. Juste comme ça en vrai. Ou alors on se fait pas chier, on fait juste ça hein. On a dit simplicité et efficacité. Ce sont les mots. On a un autre comme ça. Voilà. Après, on peut peut-être, je sais pas, faire. Comment on peut rendre ça bien? Comme ça, et juste il y a un trou de temps en temps, mais en vrai. Ouais, c'est pas trop grave. Ouais, on va faire comme ça, je pense. Bah Luigi. Bah Mario, pardon. Bah alors Mario. On s'installe sur le lit comme ça, genre en légende. Ok. Bon, faut que je pense à donner le... Ça roule alors, ça va. Bah écoute, exam. On essaye. Salut le docteur. Anniversaire de Andy. Ah, mon bon Andy. Ah, attendez. Wiki. Ah, évidemment. Wiki. Stardew Valley Expanded. Que je vois du coup comment ça fonctionne pour Andy. Bon, Andy, il aime bien la birasse, je suppose. Bah, tiens. Ok, bon, il y a rien de ce que je peux lui donner. Il aime bien le Joja Cola. Il aime bien les Salmon Berries. Eh bah, let's go. Eh bon, on va offrir une Salmon Berries à Andy. Simplicité, efficacité, plaisir. Bonjour les gilles demain. Oui, il y a la fête des fleurs, oui, je sais. Oui, dans le même bouquet, tout ça, on sait. Tiens, je vais essayer de terminer ça vite fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et en gros, il y aura des petits trous ici et là, mais en vrai, c'est pas dérangeant. Faudrait juste que je marque les trous. Que je mette avec des dalles pour empêcher de tout casser. Et il faudrait que j'arrive à trouver des recettes de dalles intéressantes. Faut que j'aille voir chez Robin. Je pense qu'elle doit vendre. Elle doit vendre des patterns sympas pour le sol. Parce que les pierres comme ça, c'est, bon, c'est sympa au début, mais bon. Puis j'en ai pas d'autres pour l'instant. Ah. C'est cher. Bah, ah, mais il est là en fait. Aveugle man. En même temps, c'est vrai que Andy, il a juste une casquette Joja Cola. Donc forcément, s'il me sortait, non, je suis pas fan de la boisson. Non, j'aime juste la casquette. Ça, bon, je pense que c'est un peu marqué sur sa gueule qu'il aime bien Joja, donc. Hein. Non, mais c'est un homme simple, c'est tout. C'est juste un homme simple. Hein. C'est Andy l'homme simple. J'ai déjà fait ça. Hein. Ah, vivement les arroseurs automatiques, hein. Parce que c'est insupportable. Hein. Let's go. Allez, c'est parti. Donc Andy, il est chez lui, je suppose. Donc on va aller en bas. Et l'arroseur est perturbant. Ça va. C'est le bruit quand tu mixes des pâtes dans la casserole. Quand t'as mis du beurre et que tu mixes, c'est tout.
C'est un autre, franchement. Ceux qui pensent que c'est autre chose, vraiment, vous avez l'esprit assez perverti quand même, je trouve. Hein. Ah, il est là, Andy. Attends, mais... Ah, il faut que je passe là. Moi, je trouve que vous avez l'esprit perverti quand même. Hein. Oh, Andy! Mon frère Andy! Et bon anniversaire, Andy! Oh, c'est mon anniversaire aujourd'hui! On dirait bien que oui, merci, c'est gentil! Mais de rien, Andy, putain, le gigabro! Ok. Les traces de pas. Cuisine, dehors. Ah, avec la bonne bière par terre. La bière est imbibée dans le tapis. Ça, c'est un vrai américain! Il n'a pas le temps, il doit s'occuper de ses champs. Il doit s'occuper de ses champs, il n'a pas le temps de s'occuper de sa maison. Ça, c'est le Andy qu'on aime. Il faut que je trouve. C'est qui déjà? C'est Jody. Jody. Où est-ce qu'elle est, Jody? Jody, elle est chez elle. Ok, let's go. Bon, ensuite, je vais voir ça. Ah bah tiens. Andy, comme je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas ignorer. Non, écoutez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Y'a pas à me dire que je dois encore plus. Je vais tout juste bien avec ma ferme Fairhaven. Ne venez pas m'annoncer cette mauvaise nouvelle. C'est hors de mes mains, Andy. Le gouvernement Ferngill s'ajuste. Je n'entends rien de tout ça. Ça va me ruiner, vous m'entendez? Oula, putain, lâche. Andy, il a de la voix. Je pensais que cette vallée soutenait les agriculteurs locaux. Le maire de Grumbleton n'est pas non plus satisfait de cela. Je décerne au caca de... Non, la réponse est non, Lewis. Je peux à peine acheter mes graines pour de nouvelles récoltes. Je peux pas entendre ça. Tâche. Andy, tout ira bien. Je vais détourner des fonds de festival. Je n'ai besoin d'aide de personne. Je n'accepte pas la charité. Je vais trouver quelque chose. Tâche. Andy. Cette conversation est terminée. Je m'en vais. Andy, merde. Tip of the casquette Joja. Bon, Lewis, qu'est pas ça. Bonjour, bonjour Luigi. Vous avez entendu tout cela, n'est-ce pas? Rassure pas cette histoire. Gouvernement Ferngill présente de nouveaux règlements. Je pense pas qu'ils comprennent l'impact négatif que cela a sur les petites collectivités comme celle-ci. C'est quoi? Kendra, la mère de Grumbleton, et moi avons essayé de négocier, mais ils ne voulaient pas nous écouter. Mais c'est quoi les règles? Je sais qu'Andy est en difficulté et qu'il n'a pas bien, il ne va pas bien financièrement. Ah bah vu l'état de sa maison... Ah pardon. L'état de sa maison, c'est pas étonnant. Oh là, quoi? Sois rassuré, Luigi. Kendra et moi rédigeons une proposition élaborée. Ok. Peux-tu me faire une faveur et surveiller Andy? Il va libérer sa colère sur moi aussi. Non, en vrai... Ouais, non, c'est un bon gars, Andy. Je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Merci, Luigi. J'apprécie ton geste. Non, moi, Andy, je l'aime bien. J'ai envie de devenir pote avec lui. Je vais commencer par ce projet maintenant. Bonne journée, Luigi. Merci, monsieur Lewis. Il y a un truc qui va pas avec ma cam. Mais je sais ce qui va pas avec ma cam, putain. Je me rends compte 2 heures après. Je vais allumer une lumière. Voilà. Et voilà, c'est bien mieux les couleurs comme ça. C'est pas juste blanc comme un comme une salle d'attente d'hôpital quoi. Ou de médecin. Salaud mais pas contre Andy. Bah non mais Andy c'est le boss. Andy c'est juste le boss. Elle est chez elle j'espère encore. Non. Elle est plus chez elle. Ah est-ce que c'est pas le jour du Ah ouais, c'est ça. Ouais, on est mardi. C'est le jour de l'aérobic. Ta-da, 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 ta-da.
Joji ? Non, c'est Robin. Oh, putain, mais Robin aussi, du coup. Oh non. Tap, 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 tap. Mais pousse-toi ! Vas-y. C'est vous, Jodzi ? Non, c'est Caroline, ça. C'est vous, Jodzi ? C'est vous, Jodzi. Tenez. Oh, il a l'air délicieux, merci. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ça sera parfait pour avec du curry. Quoi ? Avec du cu... Du chou avec du curry ? Je suis pas sûr d'avoir tout compris là. Ça se fait du chou-fleur avec du. Non mais après, pourquoi pas hein. Pourquoi pas mais c'est quand même étrange. J'ai rien à bouffer sur moi, fait chier. Ça se fait, d'accord. Ok. Ok, non mais si ça se fait, ça se fait. Je trust. In the curry chou-fleur, I trust. Bon bah vu que Robin elle est pas là. Vu qu'on est mardi et que bah du coup ça part en aérobic. En vrai je vais tenter d'aller faire des allers-retours dans les mines pour choper du fer. Comme ça au moins on fera quelque chose. Ça serait mieux qu'un gars de ma promo qui met du curry dans ses carbos. Chelou l'ambiance. Très chelou comme ambiance quand même. Après en soi, c'est juste du curry mélangé à de la de la crème et des lardons quoi. Après curry lardon. Hein ? Pas sûr hein. Genre plus mayo et curry et top. D'accord. Bah écoutez vu que je n'ai jamais goûté, je ne peux pas vous contredire puisque je n'ai pas d'argument. Donc probablement. Mais ça ne m'intéresse pas de goûter. Voilà, s'il faut se dire ça, c'est que ça m'intéresse pas forcément de goûter quoi. Moi je fais curry lardon pâte. Écoutez, ça marche. Moi je sais pas hein. Je sais pas, vous avez kiffé les dings hein. Bon on va faire le classique. Je pensais pouvoir arnaquer un peu. Oh God damn boy. Bah voilà, bah, pas besoin d'arnaquer finalement. Le jeu est sympa. Voilà, la pelletée de fer. Ah, fait plaisir celle-là. Mec, fais pas des croque-monsieur avec une béchamel, mais avec de la crème fraîche. Bah, si t'as pas le temps ni envie de faire une béchamel, en soi, c'est pas interdit non plus. Et là, y a du jugement plus qu'autre chose, là, c'est pas bien. Une béchamel ça se prépare hein. T'as certaines personnes et j'en fais partie. T'as la flemme de préparer des trucs comme ça juste pour respecter la recette de base. Oh une bombe. En bombe. Boum. Ça va aussi, ça va, calmez-vous. Mais jamais, c'est même pas 5 minutes. Ah mais pour certains, 5 minutes c'est déjà trop. Hein. Déjà, truc tout con, mais moi quand je me fais à manger, j'ai faim tout de suite en fait. J'ai la flemme de me faire à manger pour manger dans 2 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc je peux comprendre ce comportement. De mettre directement de la crème fraîche et non pas de la béchamel.
peux comprendre. J'ai pas eu plus de temps à être vrai qu'à te manger, flemme de faire. Bah oui, mais c'est ça, moi, c'est pareil. Malheureusement, je fais pas partie, je fais partie de ces gens-là, moi. S'il y a trop de préparation, c'est chiant. Ah, après, tu te lèves un bon point. Si t'aimes pas la béchamel, bah tu fais pas avec de la béchamel. C'est parce que la recette de base dit qu'il faut de la béchamel que t'es obligé de mettre de la béchamel. Et c'est à ça que les entrées servent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce débat, c'est pas un débat. C'est on discute. Mais tu ne peux pas t'amuser forcément à traiter quelqu'un de terroriste gastronomique parce qu'il ne fait pas les recettes comme toi tu les fais. Attention, c'est du jugement gratuit. C'est pas bien. Putain, mais l'échelle elle est là, bordel. Ça dégoûte. Non, Thunder, ça c'est. Si les gens aiment bien le sucré salé, ils font ça. S'ils aiment pas le sucré salé, ils préfèrent d'autres pizzas. Exemple, moi je ne suis pas. J'avais vraiment du mal avec le sucré salé. Jamais de la vie, je pourrais manger de la pizza à l'ananas. C'est tout. Mais c'est juste que les gens ont fait un débat hyper développé juste parce que bah, c'est de la pizza à l'ananas quoi. Quand t'as vu tous les starters de Kanto? Avec les œufs mystères, Wagam, comme tous les autres Pokémon que tu dois récupérer. Tu vas mettre du riz dans la salade niçoise. Après, tu vois, c'est pareil, c'est très spécifique quand même. Il n'est pas sur ta pizza. Bah ça, c'est bizarre quand même. Ouais, ma lumière est trop chaude. Ma lumière est trop chaude. Ah, ça m'est jamais arrivé ça. Ou alors il y a un problème avec la prise. Je passe sous le bureau hein. Oh la taille de l'engin, bordel. Mais monsieur, mais comment faites-vous? Vous arrivez à vivre avec un truc aussi grand? Bah bravo hein. Pourquoi ça clignote? Je vais baisser un peu l'intensité de la lumière. Ah. Voilà. C'est bien là-dessous. Oh la taille! Ouais. Eh ben écoutez, trop cool! Trop cool en fait que la lumière marche plus. Cool. Je crois qu'elle chauffe trop en fait. Ah. J'espère que ça va tenir. Mais la lumière commence à me faire des siennes et c'est chiant. Elle a jamais eu de soucis jusqu'à présent et là d'un seul coup bam. Tu vois, en soi racheter une lumière c'est pas si dérangeant que ça mais bon. Bon flemme quoi. On va bien voir hein. Là elle clignote plus donc l'émail.
Bah non, Megan, parce que Roucool, c'est pas cool C2OL. C'est C-O-U-L. Donc non. Ce sont deux mots bien différents. La même prononciation, certes, mais ce sont deux mots très différents. Putain, mais ils ont des petites boules sur le crâne. Je vais juste en prendre une pour avoir assez pour le tabasse. Mais pourquoi on se bat dans mes plantes, bordel ? Un événement à 20h30 en plus, bah ouais. Un événement quand même assez big. Donc si c'est ce jour-là que ma lumière elle va bugger, bon... On a envie de me foutre en l'air, quoi. Alors... Allez, on fait tout ça. Au secours. Bah je sors à l'heure où mon perso peut rentrer chez lui et pas tomber dans les pommes, quoi. C'est plus de la gestion comme ça. Ah mais attends, c'est prêt ça. Oh mais tout est prêt. Zwing, zwing, zwing. Gain de niveau. Let's go. La question maintenant c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je replante des panais pour les derniers jours? Vu qu'on est le 24, oui. Hein. Je vais lâcher des graines de panais et je vais mettre des graines de panais sur les endroits. Hein. On va continuer à préparer ça. Il faut que j'aille voir Robin pour faire un silo si je peux. Voir deux silos. Comme ça je peux commencer à accumuler. Où est-ce qu'on les met les silos? En pire, j'y réfléchirai. Les silos, je les verrais bien là. Sur le bord là. Oui, j'ai donné le choix à Jody, ouais. Je les verrais bien sur le bord là. Comme ça, on peut commencer à accumuler du blé pour les animaux quand on aura des animaux. Pour l'instant, on n'a pas d'animaux. Il n'y a pas le quartz. Non, parce qu'on en trouve pas mal dans les mines. Et là, faut que j'ai du pognon majoritairement. Dites-vous que j'ai un truc à 5000 balles à payer bientôt. Il y a l'été bientôt, donc il y a des graines à acheter bientôt. Putain, mais Luigi! Ta gueule! Non, mais pas Luigi, c'est Mario, bordel. Pourquoi je vais juste faire sa gueule? Bon allez, on va acheter des graines de panais, on achète 15, histoire de faire des trucs. Oh mais Mario! Ah, le vrai chien. Ah non, c'est la danse des fleurs, oh putain. Je vais pas réussir à avancer. Hein. Je vais pas réussir à avancer. Hein. Et du coup c'est fermé. Ça veut dire dessus à la fête des fleurs. Ah oui. Donc pas de robin, pas de graines. La vie c'est de la merde. Je veux aller faire la chasse aux insectes mais ma mère se met en colère quand je rentre tout sale. Je sais pas quoi faire. Écoute, à ton âge, moi j'avais un caillou et un bâton et je m'amusais, quoi. Cette musique me rappelle qu'il y a des DLC de Barn Finder qui sont sortis quand même. Ah. Bac à fleurs. Oh la recette. Oh les pourcentages de collection. C'est cher. C'est quand même cher. Mais ça nous fait. Ah. C'est un épouvantail de collection.
Et vu que tout le monde me déteste, personne va vouloir danser avec moi, ça va être énorme. J'ai mis la plus belle chemise pour cette danse. Ce genre d'événement n'arrive pas très souvent. Salut Luigi, content de te voir ici. Oui. Tant pis. J'aurais dû apporter ma canne à pêche. Merci pour le gâteau gratuit. Ah, oh, elle est trop cool, Sophie. tu aimes bien danser avec moi? Désolé, je ne danse pas vraiment. Allez, comme l'année dernière, on va compter tous les râteaux. Cette jolie à la fraise, c'est vraiment remarquable. Oui, demande à Victor d'être mon partenaire de danse. Pardon, je ne sais pas si je veux vraiment danser moi-même. Ouais, non, c'est parce que tu veux danser avec Luigi, c'est ça? Ça, c'est une belle vie, n'est-ce pas? Un bon vin doux, et cours d'eau et un ruisseau. Ouais. Sophia mérite mieux. Allez, la bonne ambiance. Je n'aime pas danser devant tout le monde, c'est tellement humiliant. Andy! J'ai trouvé des poireaux lors de notre promenade ici, le truc qui est meilleur que la plupart des plats ici. Rien de mieux qu'une bière avec un poireau. Ah, Andy, quel homme. Quel boss. J'apprécie la beauté du paysage. En vrai, Clint! C'est une sauce excellente. Aval. Calmez-vous, le chat. Calmez-vous. Oh, ce truc vert est épicé. Miam. Mange. Oh! Oui, demandez à Shane d'être partenaire de danse. Non. Non. Ah, déglutie. Je suis vraiment nerveuse. Oui, demandez à Penny d'être partenaire de danse. Non merci. J'aime bien danser, mais cette fête est un peu trop guindée à mon goût. Cependant, les personnes âgées adorent ça. Oui, demandez à Maru d'être partenaire de danse. Je suis flatté, mais non merci. Il y a de l'amour dans l'air et je suis toujours célibataire. Célibataire. Ah, en vrai, c'est un petit spoil, ça. Hey. Je demande si Emily acceptera de danser avec moi. Je suis calé. Est-ce que t'as essayé la jolie rouge? Oui, demande à Emily de sortir. Je suis vraiment désolé, mais j'ai déjà promis de danser avec quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord. Je voudrais que Pierre profite de cette fête en famille. Oui. Bon, vas-y. De toute façon, je vais prendre des râteaux de tout le monde au bout d'un moment. Je travaille sur des arrangements floraux depuis une semaine. Comment tu les trouves? Très joli. Je répète, mais pas de danse, tout doit être parfait. Attention. Je suis la reine des fleurs depuis 5 ans. À mon avis, j'ai fait la même blague l'année dernière, mais bravo pour le sub de 5 ans chez Ponce, du coup. Oui, demande à Hélène d'être notre partenaire de danse. Bah non, Bolos. Ok. Ça marche, on se retourne. Ça marche. Bah oui, on peut commencer. Bah ouais. Pauvre Luigi, il se retrouve tout seul. Bon, la lumière qui ne note plus. Waouh. C'était amusant, il est temps de rentrer à la maison. Ah, c'était très amusant, ouais. De prendre autant de vent, ouais, c'était vraiment amusant. Ouais. C'était vraiment très intéressant. Donc en gros, là, le pattern est un peu bizarre quand même. Hein. Mais donc... Oh, ça va tellement être bizarre de planter ça comme ça. On mettra le... Ah. Faut que j'en mette deux. Ok. Donc on va pouvoir se servir du milieu pour mettre deux épouvantails du coup. On va mettre un là.
Ah non, parce que du coup, ça va bloquer les graines derrière. Ah, putain, mais c'est vrai, ça va être quoi le meilleur pattern avec ça? Non, ouais, sinon on fait le pattern que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Ça va être chiant de se balader, mais en vrai... J'attendais rien, je suis quand même déçu. Ouais, c'est un peu ça. Je suis venu pour regarder ce qui se passait, pour m'amuser. Finalement, bah, je suis reparti... Je suis reparti dans l'ennui. Truc comme ça. C'est un peu chelou, non? Oui, bon, ça va. On fait des tests. Comme ça? En plus, ça fait une jolie forme. Ouais, j'aime bien, moi. Ouais, moi, j'aime bien. Comme ça, on fait des champs comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. Ouais, j'aime bien l'idée, en vrai. C'est une croix spéciale, là. Bah c'est une spirale, ouais. Enfin, c'est une, oui, une croix en spirale, ouais. Le chien, tu vas te barrer, oui. Bonne nuit, le chien. Let's go. J'ai eu un succès, apparemment. Et on a débloqué les bocaux. Ah, bah parfait, ça. On a tout ce qu'il faut pour faire des fermes à poissons, du coup. Ah, moi j'aime bien le pattern que j'ai là. Et chaque pattern qu'on fait, du coup, ce sera... Ah, c'est parce que je fais 15 000 balles. Ah. Je vérifiais ton bac d'expédition. Pierre et Sophia avaient un grand nombre de produits à expédier ce matin. Je suis très heureux que tu te trouves ici à Stardew Valley. Quoi? Ok. Et tu fais des grands progrès avec la fermentée. Ouais. Merci. Tu dois marcher jusqu'à la ferme Fairhaven et vérifier si on expédie quelque chose. Il y a généralement du fourrage de haute qualité et de la forêt de Sèvres-André. Ça doit être pratique de pouvoir se nourrir dans son jardin. Je te laisse à ton travail agricole. Quel était l'intérêt de cette interaction, Max, du coup? Voilà. J'ai tout compris. Non! Oh non. Et c'est le glitch. Et c'est le glitch. Aïe aïe aïe, c'est le glitch. Aïe aïe aïe. Et c'est le glitch. Ah, let's go. Alors, est-ce que c'est réglable? Est-ce que je suis baisé? On va voir. Hein. Si ça me le refait, va falloir que j'installe un mode qui donne des cheats pour mettre nos clips. Pas le choix. Hein. Let's go. C'est bon. C'était non, c'est bon. J'ai juste pas eu de chance. Mais ça va, tout va bien. Alors justement, fallait pas attendre, fallait éviter direct, fallait pas lui parler. En même temps, bon, vu l'interaction, heureusement. Quoi. Et c'est bizarre qu'il me fait spawn là, étant donné que c'est littéralement pas l'endroit où il y a la maison, quoi. Mais bon. Alors, donc on laisse deux d'écart, donc faut que j'en mette un là et un là. Non, moi j'aime bien. Comme ça, chaque petite zone, c'est une zone de graines. Moi j'aime bien l'idée, en vrai. Moi j'aime bien l'idée. Comme ça, là, on pourra faire 4 petits champs différents et on essaye d'adapter la déco avec ça. Moi j'aime bien l'idée. Ça va le chien? Ça va Mario? Ah bah parfait. En vrai 4 formes ça va, on est pas mal là.
4 champs, 4 graines différentes. Faudra juste faire un truc spécial pour les graines qui se plantent en bâton. Oh non, Lilith, non. Bah non. J'en ai marre de devoir lui courir après pour qu'elle arrête de faire ça. Allez. Aïe aïe aïe. Tac. Tac. Ok, bon, on a nos patterns de prêt, on fera ça après. J'ai arrosé tout sauf. Enfin, toutes les fraises sauf le reste. Bon, je peux aller voir Robin aujourd'hui ou je vais me faire foutre? Parce que bon, normalement. Salut, Tigre. Attends, mais il y a des zones cachées par là. C'est vrai que le mec avait dit qu'il y avait des zones cachées possiblement, donc je m'étonne pas trop. Silo, il faudrait quoi? Je vais prendre mon bois et ma pierre. On va voir si c'est assez pour le silo. De l'argile. J'ai quasiment pas d'argile. On va prendre, on sait jamais. On voit ce qui se passe. Il me semble que le silo, ça doit être 1000 balles, je crois, le silo. J'espère. Ou c'est 2000 balles. J'espère. J'aimerais bien commencer à stacker du blé. Les motifs sur les exotiques, j'en ai aucune idée. Lilith! Putain, mais je dois lui courir après, c'est chiant, j'ai pas que ça à foutre, bordel! Arrête! Oh, elle me saoule, faut toujours que je lui cours après. Bonjour Robin. Construire des bâtiments de ferme. Alors ça c'est combien ça? C'est 5000. Ah c'est des algues comme ça, c'est pas des algues blanches. Merde. Ah ok. Le silo c'est 100 pièces, il faut 10 argiles. Ok. Et c'est 5 lingots de cuivre. D'accord. Ok, bah on va taper le sol pour trouver un peu d'argile. Le silo ça sert à stocker de la nourriture pour les animaux. Mais vu que j'ai beaucoup d'herbes, de mauvaises herbes dans ma ferme, je me dis, en vrai c'est pas déconnant de, c'est peut-être pas déconnant de commencer à la stocker maintenant, tu vois. Je sais pas dire que les animaux je les fasse maintenant, mais au moins, si je peux avoir un peu de stock. Ah, va falloir que je trouve de la... Faut que je trouve quoi? 2 d'argile. Quel enfer. On va creuser devant chez eux. Hein. Ok. 4 germes de blé. Alors, c'est pratique que j'ai amélioré la houe pour ça, mais bon. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit William, j'ai pas prévu de les faire pour l'instant les animaux. Après je te laisse deviner, la réponse. Hein. Allez, 1 d'argile.
Let's go. Hop là. Silo. Construire. J'aimerais le faire. Ici. Voilà. D'accord, je commencerai à travailler dès demain sur le silo. Bah, j'espère bien. Dis-moi, t'as des crafts pour des petits chemins? Masse. Ah, par... sol en planche rustique. Ah, sol en pierre, sol en brique. Promenade de chemin, ouais. Chemin de pierre naturelle, sol de paille, chemin de cristal. On va prendre ça, on va prendre ça, 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 ça. Et on va essayer de faire un pattern joli avec ça. Voilà, merci Robin, let's go. Bon, j'ai un peu bousillé leur devant de maison, mais bon, ils ont aucune raison de savoir que c'est moi. Madame Cédric. Quelle heure, hein. Il est 19h déjà, ah ouais. Bon, seulement, on a seulement encore une heure de gameplay, là. Eh ben... Putain, mais j'avais l'impression que t'avances pas sur Stardew Valley, c'est fou. En 4 heures, on a terminé la saison. Alors. Donc il faut qu'on trouve un petit pattern pour cette histoire. Ah, j'aurais bien aimé garder un... Enfin, je vais juste en garder un pour, voilà, pour avoir ça. Et en vrai, qu'est-ce qu'on peut tenter? Est-ce qu'on ferait pas un contour en... Ah, mais il faut de l'argile pour les briques. Si on tente un pattern genre comme ça. Pour l'instant, je suis bon. Ouais, pour l'instant, je suis bon. On est bien là. Nice. Pas mal ça. Ouais, en pierre c'est peut-être pas le meilleur truc. Mais l'idée c'est ça. L'idée ça serait ça. En vrai. Tac, 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 tac. Puis on peut les faire se rejoindre du coup. Bam, bam, bim, bim, balam, boum. C'est juste que je me rappelle que c'est des cas des par 4. C'est tout. Hop. Après, on va essayer avec ça, voir. Est-ce que ça rendrait mieux ça? Par exemple, si je fais ça. Ah, c'est des chemins, quoi. Non, je pense que c'est non, je pense que c'est mieux l'autre. Voilà, ouais, c'est bon. Les chemins font moderne, que peut-être avec Joja, tout est lié. Mais voilà, mais merci. Voilà, je suis content que des gens s'en rendent compte. Par contre, j'aurais peut-être aimé le décaler d'un de plus. Parce que le petit creux là, je le trouve un peu trop, bah, trop creux. Et peut-être avancer ça jusqu'à là. Bah en vrai je vais décaler ça de 1. Comme ça bouge pas le reste. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Hop, hop. Ouais, je m'y reprends à plusieurs fois. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier let's play, je me reprends à beaucoup de fois quand je construis un truc. Voilà. Hop. Donc on sait qu'il y a ça, donc il y a ça comme ça, ensuite il y a ça là, et ça là. Voilà. Boop, 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 boop.
Tac, 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 tac. Tac, tac. Voilà. Et là, du coup, on peut... Hop. Ah, mais... Hey. C'est pas mal comme ça, non? Oh, j'aime bien, moi, l'idée. J'aime bien le design. Ouais, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Mmh. Ouais. Ouais, j'aime bien. On va tout décaler de 1, du coup. Comme on a dit. J'aurais dû vérifier avant, je suis un peu con. En fait, faut se dire que là, il y a 3, c'est ça? 4. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc le truc se met là. 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 Tac. 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 J'espère que ça va pas. Je pense que ça va taper avec ça, mais on va voir. On va voir. Non. Hop là. En vrai, c'est un pattern qu'on va pas garder longtemps, étant donné qu'après on aura les arroseurs beaucoup plus gros. Mais j'aime bien l'idée en vrai. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Alors la question c'est, est-ce que je peux refaire ça du coup? 3. Faut que je puisse éloigner, soit... Ah non, je suis un peu niqué hein. J'aurais dû mettre le silo ailleurs. On va en faire 3 pour l'instant. Au pire, je les ferai monter comme ça et... On verra. De toute façon, là, on prépare l'été. La fin de l'automne... Enfin, de l'automne, qu'est-ce que je dis, moi. La fin du printemps, en vrai... on va pas faire tant que ça. Hein. Juste on met de l'argent de côté pour les graines. Puis on voit. Ça va produire les chenilles de Wally. Ah ouais? J'ai même pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe à ce point. Romain a fini de votre nouveau bâtiment dans un jour. Bah dès qu'elle a fini le bâtiment, on le déplace et puis voilà. Bonjour Léger, ça fait longtemps que je suis sans nouvelles de toi. Les choses ne pas changé à la maison, tu me manques beaucoup. Je t'aime ma main. Est-ce que j'ai trouvé une enveloppe avec de l'argent que ton grand-père t'a laissé. Merci ma bague. Et bon, on a une maman du sud hein, bien sûr. Salut Robin. Oh, j'aime bien comment ça rend moi. J'aime vraiment bien. Ou alors, ouais au pire je vais commencer à le faire. Mais du coup pour le bout. 2, 3. 1. 1, 2, 3. Vide là. Donc là. 1, 2, 3. Vide. Donc là. Bam. Ouais, c'est pas si grave en vrai. Bah, on bougera le silo. On bougera le silo. Voilà, c'est juste que là, il manquera un petit morceau. Hop là, 99 pierres en points en moins. Ça, c'est cadeau, ça. Hop. Bah voilà! Bon, au pire, on en fera d'autres après. Jackie Origins. Ah non.
Non, non, c'est Louis, c'est Luigi. C'est Luigi ici, c'est pas Jackie. Jackie, c'est Jackie, il est sur Animal Crossing. Qu'est-ce qu'on pourrait changer avec tout ça? On va rajouter un d'épaisseur. Comme ça. Oh, jusqu'à ça, non? Hop. Moi j'aime bien, ouais. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Pas mal, pas mal. Ouais, l'idée me plaît bien. Comme ça, on verra, on pourra mettre 4 graines différentes. Ça va être un peu chiant à récupérer après, mais au moins, ce sera arrosé automatiquement. Pas aucun problème. Mais putain. Elle commence à arrêter un peu avec le frigo, mais maintenant, elle me fait chier avec la porte. On peut pas faire plus simple, hein. C'est vraiment dans la catégorie casse-couille, je demande l'édite. Hein. Bon, les panettes, du coup, je voulais en garder 3 pour la prochaine saison. Ça, s'il y a besoin, j'en ai. Et le reste, comment on fait déjà un bois char... Bon, en vrai, je reprendrai celui-là, je pense. Ah, quoique, je voudrais peut-être que je fasse d'autres champs quand même. Oh, je sais pas ce que je fais. Au secours. Au secours. Justement, histoire de famille. Hein. Rien à voir. Jackie, c'est un bon vivant. Luigi, il va bosser dans la stonks. Il va bosser avec le capitalisme. Rien à voir avec Jackie. Ah, vous suivez pas le lore en fait, ça le problème. Vous suivez pas tout le lore des lives. C'est bien ça le problème. Bah ouais. Ah, ça dégoûte, mais bon. C'est avec, hein. On fait avec. Ça dégoûte. Ça suit juste pas le lore en fait. Bref. Pas grave que. Une petite pêche aujourd'hui. C'est pas cette pêche là, c'est l'autre. Ouais, on. Arrête! Arrête! Oui. Oui, toi, ouais. Oui, toi. Oui. Oui, oui, toujours toi, ouais. Je gère un gosse. Ah bon, c'est. Y a pas d'autre explication. Donc l'image elle est un peu cursed hein, de Robin là. En fait c'est Robin avec un marteau, mais on a l'impression que c'est Robin avec un marteau dans la tête. Un peu. J'ai pas d'arrosé. Ouais mais c'est la fin de la. Ouais bon pire je ferai en revenant. Et vu que c'est la fin de la saison, je m'en occupe plus trop là. Après si tu vas être papa au moins. Bah si mon gosse s'amuse à mieux à crier à la mort devant la porte d'entrée, bon. Malheureusement, fera pas long feu avec moi le gamin. Hein. Lilith, bordel! Allez. Au bout de la quatrième fois, elle est punie. Hein. Oh non! Oh non! Oh non, pas le lore avec Sophie! Oh non! Oh non! Mais quoi? Mais ça, c'est votre waifu, ça, vraiment? Elle me voit arriver, elle se cache. Non, mais super! Oh,
Luigi, c'est juste toi. Putain, supportable. Sophia, pardon. Attends, je vais lui faire une voix adaptée. Ah, désolé, je suis facilement effrayé. Non, ça va, je vous embête. Je suis facilement effrayé. Je suis un peu nouveau dans l'agriculture, donc... je veux te donner un truc. Suis-moi jusqu'à mon coffre. Allez, putain. Voilà, c'est un arroseur. Hein. Ah ouais, sympa. Il arrose automatiquement les récoltes qui l'entourent chaque jour. Un arroseur de qualité. Oh bah attendez. J'enregistre des commandes dans ma salle de... Oh putain, mais c'est pour ça que vous l'aimez... Oh là 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 là. Oh, je suis fatigué par la vie. Parce qu'elle fait du cosplay, c'est pour ça que vous l'aimez bien. Oh, j'ai envie de crever. Si t'as besoin de plus, tu peux m'acheter des arroseurs. Quoi ? Elle vend des arroseurs ? C'est pas possible. Elle vend des arroseurs ? En plus, des qualités, bordel, mais quel enfer. Oh là, mais c'est juste pour ça que c'est la... Oh non, vraiment. Ah ouais, là, je vous méprise, ouais. Ouais, ouais. Elle est salle de cosplay, vraiment ? Elle est où, sa salle de... Ah, mais on n'a pas accès. C'est juste les cheveux rouges, j'ai été séduite. Ah, ouais, bref. Elle a un collier de Dogo. Bah parce que c'est une waifu hein, que monsieur. Ah bonjour. Comment va l'arroseur? Ça marche toujours? Mais vends-moi sans d'autres. Mais t'as dit que tu m'en vendais. Oh c'est pas possible. Ah bon par contre l'arroseur de qualité j'avoue que je prends. Ça part en histoire. Hein? Ah non jamais de la vie. Avec elle jamais de la vie. Ou alors je peux faire un truc et encore plus bâtard que ça. C'est que je me mets avec, je me marie. Et je divorce le jour d'après. Et bam! Destruction mentale. Et là, tout le monde me déteste dans le chat. L'XP. On peut faire ça aussi, hein. C'est vous qui voyez. J'ai dit oui. Après, on est... Après, bon, voilà. Luigi n'est pas un salaud. Luigi n'est pas un salaud. Luigi ne brise pas des cœurs. Sinon, je vous rappelle que Luigi baisse des meubles. Car dans les jeux Luigi's Mansion, bien sûr, il adore baiser des meubles. C'est un truc à savoir. Il n'est pas attiré par les gens sur ce point-là, Luigi. Il est attiré par les meubles. Après la mécanophilie, la meublophilie. Je crois qu'il y a vraiment un livre où je sais plus chez elle que tu passes commande. Ah, faut passer commande. D'accord. Parce que du coup, oui, si je peux directement avoir des arroseurs de qualité et pas mes arroseurs de merde, autant faire des champs pour les gros arroseurs. Hein. En tout cas, après, on peut laisser des petits champs comme ça, c'est pas méchant. On va voir. Session pêche. Oh là là, mais les qualités iridium directement, mais on est trop fort. Hein. Trop fort. Bah, c'est Luigi. Hein. Un homme simple qui tabasse des meubles. Pour son plaisir personnel. Voilà. Oui, il faut voir le prix après, ouais, c'est ça. Ah ouais, si je peux juste en acheter un deuxième en vrai. Bah ça m'irait hein. Des algues, il me faut des algues comme ça, il m'en faut plein.
Oh mais c'est parfait, mais... Oh là là, mais je les enchaîne les perfects là, je les enchaîne. Ça booste l'XP à mort et moi ça me donne plein de thunes après. Let's go. Nickel, parfait. Hop là. Elle est bien cette petite plage pour pêcher quand même. Là on est bien. Hop, oh oui, direct. Let's go, le parfait. Allez, qu'on monte niveau 5 en pêche, là. Allez. Allez. Après, il est peut-être un peu tard. Peut-être que je me dépêche si je veux aller acheter des arroseurs. Allez, go. Allez, faut aller voir le bouquin dans sa salle de cosplay. Allez. Yo! C'est ça du coup? Ah. 5 en plus, elle en vend? Pour 4000 balles? Ah ouais. 28000 le vin? Bah bordel. Donc 5 arroseurs de qualité pour 4000. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Parce que ça aurait été 4000 pour un, bon. Ça aurait été cher, mais d'un côté, voilà. Mais là, c'est 4000 pour 5. Hein. C'est pas dégueu. Comme ça, on a 6 arroseurs de qualité. Donc on peut faire encore plus de champs de champs bien vénères. Moi, ça me tente bien. Hein. Ça me tente bien, cette affaire. Hein. Ouais, ça va sûrement partir là-dessus. Hein. Pourquoi ? C'est fermé. Ah, ok. Il y a pas cette petite maison à la base. Ah, oh, c'est la playlist musique de Stardew Valley, mais avec musique de avec de l'orage. Attends, on va te crever. Attends, Stardew Valley. OST, juste fais-moi l'OST classique, comme ça moi j'ai un petit truc en fond quoi. Non, pas ça. Voilà. Là on est bien. Là on est bien. Quand c'est comme ça, normalement c'est 4000 pour 5. Il me semble. Enfin, on va voir. Hein. J'essaie de me faire de l'argent comme je peux. Et demain on lui achètera ce qu'on peut. J'ai vendu l'algue, j'ai envie de crever. Tu veux mon détendre. Ouais, on est en full détendre. Du moins, on essaye. L'argent, c'est pareil, le chiffre c'est 1, mais à côté, tu peux acheter. Bah, je vais voir. De toute façon, c'est 4000 pour 1, c'est pas grave, on mettra que 2 champs, mais ce sera des champs. Ce sera v'là les champs, mon pote. Puis voilà. Putain, en vrai, attends. Je voudrais en garder juste 3 de chaque. Bon, tout ce que j'ai en trop, je peux... Voilà, ça pareil, je peux le dégager, ça aussi. Ça, j'en ai 3, c'est bon. Oh, mais nique. Voilà. Ok. Après 4000 unités, ce serait logique. Ah, je sais pas, écoutez, hein. On verra bien. Ce sera la surprise. Oh, du réfort, j'en ai trouvé qu'un seul, ouais. Après, j'en trouve d'autres. Allez, ouf! Arrosons ça, et puis dodo. Puis demain, on va acheter des arroseurs automatiques pour préparer pour l'été, et puis tout ça. Puis tutti quanti. Bon, ça sert à rien que je les arrose, ils vont pas forcément pousser au bon moment. Ça, on peut les arroser. Il y a un bail à faire le dernier jour d'une saison. Je sais plus ce que c'est. Il faut avoir le secret pour ça, mais je sais pas si je peux le faire sans le secret. Faudrait que j'essaye.
Il me semble que c'est à midi, le dernier jour d'une saison, tu vas taper un buisson quelque part et t'as une peluche énorme. Salut Nesco. Pourquoi il se fait ces arroseurs? Oui, bon, enfin, ça allait utile juste parce qu'ils font des arroseurs. Hein. Ah, on va pas se mentir. Hein. De Emily. Eh ben, bravo. Waouh, trop stylé l'animation. Donc ouais, le silo, faudrait que je le remonte juste de. Faudrait que je le remonte de pas grand chose en vrai. Ensuite, on a ça. On peut faire un mini truc genre comme ça. Un mini truc oui et non, mais genre on peut faire un autre champ à côté, pas trop mal. On va voir, on va voir. C'est des buissons dans le parc quoi, c'est ça. J'ai pas oublié. La meilleure ferme, c'est la plage, pas besoin de lui casser les pieds avec les patterns des arroseurs. Kappa. Ah non, la ferme sur la plage, c'était vraiment le pire truc. Hein. C'est vraiment le pire truc. Hein. Donc là, maintenant, moi, je me fais plaisir, j'utilise des arroseurs à donf. Hein. Rien à foutre. Hein. Ah, Sophia, ouvre, il me faut des arroseurs. Il me faut un arrosoir. Donc du coup ça va être 4000 les 5 du coup. Non, c'est 4000 l'unité. Ok. Et c'est juste qu'elle en vend 5 grand max. Ok, bah très bien. On va s'adapter avec ça alors. On va s'adapter avec tout ça. Ok. Pardon. Ça pique, ouais, mais bon. C'est pas si grave. Au pire, les arroseurs comme ça de qualité, je peux m'en servir juste pour les fleurs. C'est les fleurs d'été, j'ai fait pousser là-dessus. Et comme ça, je peux faire un truc tout con, c'est-à-dire que je fais ça, genre. Je les mets là. Et j'entoure de dalles, et puis voilà. Puis pareil de l'autre côté. Puis après on pourra faire d'autres champs autour. On fait ça quoi. C'est pas impossible. On adaptera au fur et à mesure. De toute façon, on a fait qu'une saison. Hein. On a fait qu'une saison donc tout est réalisable. Juste ça en fait. C'est tout con. Hein. Voilà. Comme ça, on a nos quatre petits champs en bas, on aura les fleurs des deux côtés. Et au milieu, on verra ce qu'on fait. Au milieu, on pourra peut-être d'autres patterns comme ça avec ces arroseurs là, et puis on verra bien. Le jeu Evil Twins, ça me dit un truc, mais sans plus, tu vois. Bon, dans le dos, je préfère te dire pas plus que ça. Comme ça, au moins. Mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Hein. C'est que j'ai pas de nourriture à part les kukai. Ah mais attends, mais je peux faire tellement de trucs avec ça. Bam. Emily, bon flemme. Hein. Luigi n'est pas là pour se faire des amis, il est là pour être ami avec le patriarcat. Avec le capitalisme plutôt.
Toute première partie, j'ai galéré tellement à avoir des minerais d'iridium que j'allais plus vite en achetant les arroseurs à 10 000. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, ça dépend quelle source d'argent tu te fais, quoi. Ça, ça va voir. De toute façon, en voyant des images, je me rappellerai plus, tu vois, mais bon. Pas de patate au chien. Bah, c'est Mario le Yinche, au bout d'un moment. Je peux même pas lui donner ce plaisir, Uzi. Bah, du coup, là, il me faudrait plus du cuivre qu'autre chose, hein. Mais il faut que j'avance dans les mines, hein. Il faut que j'avance dans les mines. C'est plus important d'avancer dans les mines qu'autre chose actuellement. Oh mais what the fuck? La diagonale, il m'a mis. Quel enfer, y'a rien. Y'a pas un minerai, y'a pas l'escalier. Oh. Faire de Luigi tout de même. Oui, enfin bon. Vu comment il traite Luigi, au bout d'un moment, Luigi a besoin aussi de se défouler un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça, ça, voilà. Les petits arroseurs, ils sont bien, mais bon. Les arroseurs qui font le carré sont bien plus pratiques, quoi. Ah. Oh la masse. Hop. Ah, plein de minerais de fer. Ça fait plaisir. Ça me plaît. Salut Radias. Si on commence le centre communautaire, est-ce qu'on peut faire Joja? Non. Tu choisis le centre communautaire ou Joja. Ça fait partie des choix. Ah! Il a mangé mon dame. C'est que si tu prends Joja, ça... Alors, je sais, vu que j'ai jamais fait, je sais pas, mais je suppose que ça, ils vont dégager son communautaire, puisque bah, c'est pour ça qu'on a le choix. C'est soit on remplace le centre communautaire par un entrepôt Joja, soit on fait le centre communautaire. Et vu que bah, nous on veut l'entrepôt Amazon, hein. Ça partait là-dessus, hein. En fait, faut pas le dire, mais Luigi, en fait, il est infiltré. À aucun moment, il a voulu devenir paysan, fermier, agriculteur, tout ça. C'est Joja qui lui a dit, frérot, on aurait besoin de toi pour une expérience à Stardew Valley. On a besoin d'installer un entrepôt. Tu nous as parlé de ton grand-père qui habitait là-bas. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, Luigi est un infiltré. Mais ça, chut. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi, en fait il avait déjà le style, il avait la salopette, il avait le style agriculteur. Il a été choisi pour ça. Et oui. C'est ça le côté secret. C'est ça le vrai côté de Luigi.
C'est qu'il bosse pour jeu depuis le début. J'atteins entre la playlist YouTube et les musiques du jeu. Hein. C'est pour ça que des fois il y a des styles de musique qui changent. C'est vraiment. Quand le jeu lâche une musique, je coupe ma musique. Et quand il n'y a plus de musique, je lance ma musique. C'est aussi simple que ça. L'histoire de grand-père, c'est une mascarade. Non, c'est juste que, comme par hasard, Luigi a récupéré une ferme de son grand-père à Stardew Valley. Mais comme par hasard, tu vois, c'est vraiment du pur hasard. C'est pour ça qu'il a été choisi. Parce que tu vois, c'est le bon hasard. Le patron, il a fait, oh bah, une aubaine, bien sûr. Le streamer pro, hein? Comment ça? Ça. Ah, pour les musiques? Bah non, c'est même que moi, même moi de base, je préfère avoir de la musique dans les oreilles plutôt que avoir un vide quoi. Attends, bah, par exemple, vous voyez Hypierre qui joue à Minecraft pendant 4-5 heures à la suite sans musique. Je sais pas comment il fait quoi. Impossible. C'est pas encore comment a disparu le grand-père, Luigi coupable? Non. Non, parce que grand-père nous a quitté quand Luigi était jeune. Hein. Hop là, Switch. Luigi était encore assez jeune. Donc non, rien à voir. Ah, fragment d'os, bien sûr. Ah, mais vous voyez, Luigi raconte bien sa vie. À la machine à café, il a dû raconter un jour que son grand-père avait une ferme à Stardew Valley. C'est remonté aux oreilles du patron. Quand on lui a dit que le patron. Enfin, quand ils ont dit qu'il y avait un Joja qui était en préparation à Stardew Valley et qu'ils avaient des problèmes avec l'entrepôt. Ils se sont dit, bon, Luigi, on t'envoie. On fait genre, tu as quitté Joja parce que, tu t'en avais marre du patriarcat. Et du socialisme, du communisme. Et tout ça. Alors qu'en fait, il est là pour aider à faire comprendre aux gens que. Voilà. Les cristaux dropent R parce que les cristaux c'est juste de la déco. Ça c'est juste de la déco. C'est dommage que ça droppe rien, ouais, je suis d'accord. Et voilà, pour bien s'intégrer, il faut qu'il fasse des choses comme ça, Luigi. C'est pour ça qu'il aime pas grand monde. Et qu'il est pas très social, c'est juste qu'il est pas là de son plein gré et il est pas là pour le plaisir. Il est là pour le tra... pour le... attendez, pour le... il est là juste pour le TRAVAIL. Donc forcément, c'est pas... voilà. Lui, il sait qu'il est en mission. Bon, bon. Ça peut drop. Si ça drop, putain, les taux sont très très bas. Hein, parce que moi, ça n'a jamais droppé. Hein. h 22, ok, on peut se dépêcher un peu. Hop là. Allez, l'échelle pour le niveau 75 et puis c'est good. Let's go monsieur. Toudou. Ok. Repartons. Les personnages, merci. C'est Luigi. C'est presque Luigi, mais non, c'est Luigi. C'est Luigi, mais sans toucher aux droits d'auteur de Nintendo. Donc tout va bien. On peut se permettre. C'est ce qu'on appelle une parodie, un hommage, une expression.
tout simplement. Ah. Nous sommes à la maison à l'heure. Boop. Boop. Et voilà. Et en petite connerie à vendre, j'ai pas grand chose, mais bon. J'ai ça. Et c'est tout. Avec carottes, avec carottes, je peux les garder quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Ils me disent partout à part la mine. Hein. Ah non, mais j'ai commencé mon perso. J'ai littéralement commencé mon perso il y a deux jours, Chronicle. Donc non. Enfin, deux jours. Il y a deux. Enfin, j'ai commencé lundi. Donc c'est mon deuxième stream dessus. Je suis que année 1. Oh non, 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 non. Oula. Loin de là. Loin de là. Ah non, prends notre temps. Hein. Prends notre temps. Hein. Voilà, cette pancarte Jojacola quand même. Pour se réveiller de la bonne humeur. Le mec a lancé un Let's Play. Oui, j'ai vu qu'il a joué à Baldur's Gate. Ouais. J'ai vu ça. Putain, ça a lancé la même musique que celle que j'avais, mis. Ah, bonjour, c'est moi la reine de la sauce. Je suis ici pour apprendre les recettes. Une omelette, c'est un plat tellement simple mais si souvent mal fait. Oui, merci. La pêche. Tranquille. Hop là, bouip. Tulep tep twip. Pibilep tep twip. Oh non, j'ai des petites bombes moi. Non. Reviens. Voilà. On va arroser ça vite fait, puis on retourne en mine, non? Ah, attendez, on est le 28 du mois. On va essayer de faire le truc. Ah, bah, si t'as pas lundi, c'est sûr que tu peux le faire. Mm-hmm. Ah, mais non, mais du coup, attends, je suis baisé pour ça. Oh, je suis tellement turbo baisé. Ah, mais non, je suis tellement baisé. Bon, toutes ces graines-là, ça va, hein, du coup. Cool. Bah, peut-être aller pêcher, du coup, hein, si on veut avoir de l'argent de côté. Ouais, on va les pêcher, je pense. Faut que je me mette de l'argent de côté pour le début de saison. On va les pêcher. Comment ça, Berk l'omelette? Et c'est juste de l'œuf cuit. En quoi Berk? Chelou ce chat. Oh, Cosmic, mon lore est mieux quand même. Hein. C'est le jeu qui l'a embauché pour ça. Ah oui, non, j'ai eu ça. Bah, on sait pas, hein. Bon, c'est pas, hein. Mais bon, je préfère mon lore quand même. Hein. Je trouve que mon lore est bien plus développé quand même. Ouais, mais un facteur sympa. Ah! Il y a certaines maps qui sont un peu... Ouais. Quand même à faire avec. Bah de les utiliser. Juste ça. Pas plus compliqué, faut juste que tu t'en serves. Vu que ça augmente les dégâts de tes Pokémon. Je baille pas du tout. A aucun moment je baille. Oh bah après Star du Valais c'est pas un jeu qui coûte cher, bon, donc en vrai c'est un très bon jeu. C'est un très bon rapport qualité prix Star du Valais. Les use dans les upgrades de recharge d'items aussi, j'ai vu.
Non, je crois pas. Je crois pas du tout. Moi, en tout cas, j'ai pas vu ça. Si, ah bah, si, à un moment, tu pourras fabriquer des flûtes. Mais il t'en faudra 50 000 de chaque, donc... je pense que t'es mieux à les utiliser, hein, crois-moi. Surtout vu le bonus que ça apporte. Hein. Après, si tu confonds les gemmes et les diamants, après, oui, là, par contre, oui, c'est deux choses différentes. Ah oui, non, si tu parles des diamants, oui, non, mais les diamants, bah, tu les stacks, et puis, bah, tu t'achèteras des trucs utiles, hein. Notamment améliorer l'énergie max. Oh, la feinte. Oh, un flétan. Let's go. Nouvelle race de poisson que j'ai pas eu. Ah oui, bien. Le seul truc que ça peut être utile, c'est pour le daily deal. Mais ça, après, faut que tu regardes, ça dépend de ce dont t'as besoin. Pour certains fossiles, ça peut être pratique. Et sinon, non, faut vendre. Non, mais c'est bien, en vrai. Parce que là, il est quelle heure, là? Il est 40. En vrai, on termine le jour de pêche là, on récupère le plus de pognon qu'on peut. Et ensuite, on fait le premier jour de l'été, on plante nos graines. Et on continuera évidemment lundi. À mon niveau, non. Car le poisson pierre est bien dur et très dur à choper. Putain, mais please. Y'a jamais de musique normalement, et là ça enchaîne. Hein. Pour les poissons pierres, faudrait au moins avoir le flotteur qui augmente la taille de la barre. Let's go. Let's go le pex. Hein. J'aime, faut tout mettre au max ou une star. Bah non, tu mets tout au max, c'est tout. Ça augmente les dégâts de tes Pokémon, y'a pas de strata à avoir, juste tu mets toutes les gemmes. Dès que tu peux en mettre, tu mets. C'est aussi simple que ça. Attends, je fais juste un retour Windows, si c'est figé, c'est normal, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, si c'est figé, c'est normal. Voilà. C'est bon. Tiens, c'est pas compliqué un Bokeh Clicker, c'est vraiment pas un jeu compliqué, hein, très loin de là. Hein. Non. Let's go. Putain, c'est qu'un flèche, pourtant il était galère. Hein. J'ai eu un coup de barre, je me suis allongé, j'ai dormi cassé tout seul. Eh ben. Ah, moi, je sais que j'ai les yeux qui sont quand même assez lourds là, quand même. Hein. Mais ça va le faire. Ah. Parfait. Let's go, pêcheur niveau 5. Les poissons, ils vont ralasse. Oh, quoique, j'ai peut-être pas envie de prendre le... Oh, en vrai, on peut faire ça. Bref, on peut faire un mini-challenge où, en gros, je prends pas les améliorations de thunes. Je sais plus ce que c'est le deuxième, après.
Ça, c'est le deuxième, il est vraiment inutile, bon. Faut voir, faut voir, faut voir, faut voir. Let's go. Et bon, on va en avoir du pognon pour le début de l'été, hein. On va en avoir du pognon pour le début de l'été. Oh là, pardon, j'ai tapé le micro. L'XP, la qualité du poisson. On est là pour ça. Car on va faire du pognon. Ok. J'ai envie de me mettre une OST de Stardew, une spécifique. Hop. Halloween OST. L'OST d'Halloween, je la trouve trop stylée. Ouais, ça. J'aime trop cette OST. Ok. J'aime trop cette OST. Oh. Plus genre 2 heures complicance. Tu travailles tôt, non? Sans les mains. J'avais 4 heures pour bosser à 5 heures. Eh ben. Motivé. Attendez. J'avais vu un truc comme quoi tu pouvais diriger le bouchon atterrissait. Mais j'arrive pas à le faire. Dommage. Ouais, c'est le Halloween, ouais. J'aime trop cette OST. Ouais, voilà, regardez, j'ai réussi. Incroyable. Incroyable. Bon, ça marchait, ouais. Let's go. En fait, quand tu lances le bouchon, tu appuies dans la direction dans laquelle tu veux que ça parte le truc. Là, par exemple, je veux que ça aille vers le bas, j'appuie vers le bas. Hop, ça va vers le bas. Tout con. J'ai appris ça tout à l'heure dans une vidéo. Mais je savais pas ça. Bon, si tu veux lancer ton bouchon plus à droite ou à gauche, bah à ce moment-là, tu mets là où tu veux le lancer. Ah non, je vais épuiser, quel con. Je savais pas non plus. Je l'ai appris tout à l'heure. Putain, en plus j'avais des cookies et tout, je me suis surmené pour rien, quel con. Badouin.
Non, c'est pas clair. Hein. C'est pas clair en vrai. Et du coup, voilà, regardez. Par exemple, si je veux pêcher par là et que je suis là, bah, je mets mon. Hop. Voilà. Ouais. Et j'ai appris ça vraiment tout à l'heure. Bon joke, hein. Donc, on apprend tous les jours. Mais au moins ça explique pourquoi il y a des spots de pêche qu'on peut pas avoir normalement. Parce qu'il faut utiliser la technique de l'autre côté. Ah ouais, l'event avec le buisson, merde. Putain. Eh bon, on fera la saison prochaine, c'est pas grave. De toute façon, c'est vraiment un spécial, hein. C'est... Bon, la récompense elle est pas non plus... Ah, encore des algues. Nice, on va avoir assez pour se faire un bassin à poisson. Il ne manquera plus que les 5000 thunes. Mais on aura les 2000, on a les 200 pierres, on a les 5 algues qu'il faut. C'est parfait. C'est parfait. Merde. Ah bah. Oh oui! Très beau flétan! Rentable de faire des bassins à poissons. Ah, moi j'aime bien les faire. Ça fait des œufs de poissons et puis même les poissons. Chaque poisson te donne un truc spécifique en vrai. Chaque poisson peut te donner un truc spécifique. C'est pas le truc le plus rentable, mais je trouve ça intéressant. Du coup ça te donne les autres poissons en bocaux Et puis bah le caviar du coup. Si t'as le bon poisson tu peux faire du caviar aussi. Ce genre de conneries tu vois. Oui et puis même voilà c'est... Y'a des quêtes où t'as besoin du caviar, bah du coup c'est comme ça que tu le fais ouais, avec les bassins à poissons. On a plein de poissons à vendre, on va faire plein de pognon, c'est bien ça. Enfin, on va faire un beau début d'été. Ça va être parfait. En fait, ce qui est bien, c'est que surtout avec le mode expanded que j'ai, ça rajoute des poissons. Donc ça peut être intéressant, tu vois, de regarder ce qui est proposé avec les autres poissons et... Parce que par exemple... Il y a un poisson, bon je me suis spoilé un peu, mais il y a un poisson, c'est un poisson beurre. C'est un butterfish. Tu vois, je me dis, bah, un butterfish dans un bassin de poisson, ça crée du beurre. Tu vois, dans ma simplicité de vie d'être humain, je me dis, bah ça fait du beurre. Tout gratuit. Oui, c'est ça, en plus les bassins, ils s'automatisent tout seuls. Surtout avec Automate. Eh ben c'est fini pour le printemps. C'est tout fini. Ah oui d'accord. Les ressources nécessaires pour fabriquer des casiers à crabes sont réduites. Ah ouais non bah putain quel enfer. Ça sert à rien ça, on s'en sert pas des casiers à crabes. On se télécharge le mode sur le site de Nexus Mod. Tu marques Stardew Valley Expanded. Tu prends le premier lien du site Nexus Mod. Et t'as tout qui est expliqué dedans. C'est un peu compliqué, mais c'est assez bien expliqué. C'est quoi comme type de ferme ? C'est une ferme custom justement ajoutée par le mode expanded. Bah, pêcheur, hein. C'est un peu con, mais bon. C'est vrai que bon, le... T'es sûr quand tu fais le centre communautaire ? Ouais, bref. Donc, c'est l'été ! C'est vrai que la musique de l'été, c'est incroyable. Tiens, résident, pendant notre séjour à Stardew Valley, Joja a fait un effort pour devenir un membre actif de la communauté. Mais nous ne pouvons pas le faire sans votre aide. Si vous choisissez d'acheter chez des concurrents, Joja comme magasin général de pierre, n'aura pas la même assurance de qualité et de cohérence. Et sans votre intérêt, nous ne pourrons pas nous permettre de distribuer autant que nous souhaitons dans des œuvres caritatives locales.
acheter chez Jojamart et aider, aider à garder notre communauté grande. Mais voilà, mais c'est pour ça que je vais aller chez Jojamart. Bah ouais, il pense à la commu. Il pense à la commu avant le reste. Bah ouais, bah ouais. Et après les gens osent penser que c'est, ils font ça en mal. Ah là là. Tout pour la commu. Tout pour la commu en fait. Le problème c'est qu'ils ouvrent à 10h, mais... Mais ils font tout pour la commu. Bon bah on va commencer à nettoyer ça du coup. Puis dès qu'il est 10h, on va acheter les graines chez Jojamart. Car maintenant je suis un fidèle client de Jojamart. Bien sûr. Vive Jojamart. Salut Gaï. Ah bah oui hein. Faut démonter. Tu arrêtes l'autre compte. Hein? Comment ça l'autre compte? C'est-à-dire Charmy. Ah mais Ginette, l'aventure elle est finie Ginette. On a terminé l'aventure de Ginette. Pourquoi on reprendrait Ginette? Pourquoi on reprendrait Ginette? On a fini l'histoire de Ginette. Et voilà, regardez comme ça on commence à déjà mettre, à avoir du blé. Incroyable. C'est l'assassin. Elle va bientôt être 10h. Bon, j'ai pas regardé combien de graines je peux mettre. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends, oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ou 18, je crois. C'est coda. J'ai pouvoir, c'est sympa. Alors, ça fait casser la gueule. Faut que la R2, on les a bien tenus quand même. C'est 16? Ok, bah j'en ai compté un en 3 là. Oh, il est où? C'est du 4x4. Ouais, c'est pas faux. Allez hop! On va essayer de suivre un peu le pattern qu'on a fait en bas, mais vers la maison. Hop, on nettoie bien, on nettoie bien. Bon, les pierres devant la maison, je peux les laisser par contre, je pense. Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? Oh, le mieux, ce serait là, en vrai. Là. Voilà. Et du coup, pareil là-bas, on le mettra ici. Ah! Ah bah oui. C'est pas grave. C'est petit Tommy. L'épouvantail, il est là. Bam. Allez, on va chercher deux graines chez Jojamart. Ouais. Tout pour le capitalisme. Les autres streamers qui étaient hyper forts, maintenant ils ont peur de toi sur YouTube. Putain, mais quel enfer. Hein. Quel enfer, je vais finir dernier, ils vont dire, mais putain, ils ont mis à chier le mec. Quel enfer. Oh, la propagande nulle. Ah, c'est gentil, mais bon. Après, y'a des gens qui traînent ou quoi? Attends. Ah oui, Antoine il traîne. Onutrem il traîne. Je vois. Mintos il traîne, Ok, je vois, ok, y'a des gens qui traînent en fait. Ok. Bonjour. J'aimerais, alors,
Bon, des graines de melon, évidemment, c'est même pas un débat. Comment on va faire ça, du coup? Alors déjà, on va prendre les graines de fleurs tropicales, donc il m'en faut 8. 8. Pareil pour les graines de pavot, 8. Pour les deux qui est en haut. Ensuite, le houblon, ça va être compliqué. Le maïs, ça continue de récolter après la première récolte. J'en mettrai peut-être après. Là, je serais bien chaud pour les... J'en ai combien? J'en ai 4. Faire melon, tomate, poivron. Radis ou myrtille? Ah, myrtille, c'est pareil, ça continue à produire après. Donc, non, on va faire melon. Ah, le compte en banque. Ah, mais pareil, les tomates, ça continue à produire. Ah, faudrait plutôt que je mette le melon au milieu. Sur Android, ça donne pas la portée des items. C'est normal, c'est un mode en plus, ça, Pika. C'est un mode en plus. Ah, mais tout reste en fait. Bah, vu qu'il y a 4, si je fais tomate, myrtille, poivron, radis, maïs, ça remplit mes 4 slots d'en bas. Hein. Et du coup, le melon, on verra ça plus tard. J'ai jamais assez de pognon, en fait. Jamais de la vie, j'ai assez de pognon. Quel enfer. Comment on va faire ça? Des poivrons, j'essaye. Bon, ok, super. Super. Merci, c'est la crop la plus rentable. Oui, mais le but, c'est d'avoir tout. Faut penser collection aussi. Pousse-toi! Pardon. Excusez-moi, je me suis un peu énervé. Non, mais on va commencer avec ça, et puis on va essayer de réussir à suivre après, mais... Il va falloir du pognon pour en acheter d'autres, hein. Ouais. Bien que tu es pauvre. Ouais, donc. C'est direct, mais réel, ouais. Direct mais vrai. On est pas acheté chez Pyro. Parce que moi je me range du côté de Jojamart et c'est moins cher en plus. Imagine chez Pyro j'aurais payé plus cher, j'aurais pas pu avoir plus de graines quoi. Non bon. Ah par contre faut que j'arrose le premier coup quand même. Il faut que je récupère l'arrosoir quand même. Boop. Alors, les fleurs tropicales. Ok. De l'autre côté. J'ai plus d'énergie déjà. Quel enfer. Mais Nick. Voilà. Ah! Pardon. Bien. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ouais, c'est ça. C'est logique. Pas de remarques, s'il vous plaît. C'est un champ. C'est un champ zen. Y a aucun rapport avec d'autres trucs. C'est un signe bouddhiste, on rappelle. C'est un signe bouddhiste. C'est le signe bouddhiste, je suis désolé les gars. C'est le signe bouddhiste. J'y peux rien. C'est ça de gérer un champ, c'est zen. C'est zen. C'est
Voilà. C'est... comment dire. Oui, bon chien, bon chien. Ouais, bon chien. Hop. Mais je vais jamais avoir assez d'énergie pour terminer ça, moi. Bah, j'ai encore les carottes. Ah, les belles tomates qui vont pousser dans ce champ très zen, très zen, puisqu'il s'agit d'un champ au thème bouddhiste, bien sûr. Bon merde, t'as juste à arroser des plantes, au bout d'un moment tu vas pas me faire une crise cardiaque pour ça quand même, Luigi. Voilà, c'est arrosé une fois. Et pendant toute la saison, ce sera arrosé tout le temps. Comme ça, j'aurais plus rien à branler. Faut les arroser s'il y a un arroseur. Parce que t'es obligé de les arroser une fois. En fait, si je les arrose pas cette nuit, bah le lendemain, il y a des graines qui peuvent disparaître parce que le sol sera sec, tu vois. Ça arrose le matin. Ça arrose le matin, ça arrose pas pendant toute la journée. Ça arrose une fois le matin et c'est tout. Donc si tu le fais pas le premier jour, bah du coup, bah tes graines vont se faire bouffer en fait. Mais ça en général tu comprends ça quand t'as avancé dans le jeu quoi. Ah par contre c'est le truc, c'est que les melons j'ai pas envie de les mettre là. Là j'ai vraiment envie de mettre les graines qui vont produire, genre bah là les myrtilles et là le maïs. Donc je pense qu'on va faire un champ classico d'El Madrido ici hein. 3, 4, 5. Non 4 seulement, on fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, mais c'est... Oh, mais c'est calculé en plus! Mais c'est dingue! Bon, j'ai pas d'arroseur ici par contre, hein, donc il va falloir que je me bouge le cul à arroser ça quand même le matin. Hein. Tu peux arrêter de courir partout, Mario, s'il te plaît. Tu vas faire peur aux plantes. Il a chaud le Mario! Oh, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage d'avoir chaud, non? Bon, parfait, on va planter nos melons et puis bah... Suite des aventures de Luigi lundi. Parce que je vais peut-être m'échauffer un petit peu sur Tusmo quand même. Parce que bon, y aller au talent, si j'avais du talent, ça serait. Donc on va quand même aller s'échauffer un petit peu. Ah merde. Ah oui, j'ai fait un 24. J'ai fait un 24, j'ai pas fait un 16. Ah bon, c'est pas grave. Bon. Allez, dernière nuit pour aujourd'hui. Et on reprend ça plus tard. Zou. Ah oui, on a fait aucun argent puisqu'on a passé notre journée à planter des graines. Ah mais, regardez. On va vous montrer quand même à quoi ça ressemble parce que c'est quand même joli. Regardez-moi ça. Waouh. Ça c'est beau. Ça c'est des jolis champs. Bon bref.